Il était une fois un homme qui était la musique. Seul, dans sa maison. Au moment où l'on ressort Blade Runner, le film culte des années 80, signé Ridley Scott pour l'image et Vangelis pour la musique, l'homme au disque d'or qui l'affiche, mais dont il se fiche, ne croit qu'en la musique, si entouré de synthétiseurs d'usage courant, mais dont seul il détient la clé de l'organisation, il laisse jaillir de son inspiration un monde complexe et poétique d'émotions qui mettent en scène une multitude d'instruments aux couleurs sonores infinies. Diable d'homme qui se dresse avec fougue contre un enseignement musical trop souvent castrateur et qui dénonce, non sans humour, le jargon des chiens de garde d'une certaine musique contemporaine qui élabore longuement dans le secret des musiques purement cérébrales. L'état brut, c'est l'émerveillement candide de l'enfance retrouvée. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire là? Qu'on est dans une bulle sur une planète musique. Qu'est-ce que c'est ce lieu sur les toits à Neuilly? Laboratoire. Un laboratoire. Moi, je voyais la musique toujours comme de la science et me voilà artiste. C'est drôle. Vous m'avez dit que quand vous étiez enfant, par les sons. Par les sons. Par le son, oui. Chaque personne a un son très spécifique. Pas seulement les êtres, mais les objets, tout. Chaque objet a sa propre. Contient sa propre vibration. Le premier son qui est resté mémorisé par Vangelis, qu'est-ce que c'est? C'est en Grèce? Peut-être le ventre de ma mère. Je sais pas, quelque chose comme ça, comme ça peut-être. Comme ma mère bougeait peut-être, je sais pas. Avec des battements de cœur, il devait y avoir des battements de cœur. Ah oui, c'est sûr, oui, évidemment. Loin. Ouais. C'est génial de goûter un ventre, c'est très beau. C'est la première bulle, ouais, la première ventre. Bulle, ouais. Et ça, c'est la bulle de Vangelis, présumée adulte.
Alors les premières musiques, ça ressemblait à quoi? Première musique, très simple, parce que j'avais des mains très très petites. je peux pas jouer des choses très très compliquées, mais simple, des choses très simples. Mais c'était la musique enseignée, ça, tout de même? Non, jamais, j'ai jamais appris, non. J'avais 4 ans à l'époque, bon, ça donnait quelque chose comme ça. C'est ça que je me rappelle quand j'avais 4 ans. Et ça, c'est évidemment, c'est signé Vangelis, ça. Oui. C'est ni Mozart, C'est de mes premières mémoires de musique. Mais comme je n'écris pas la musique, je n'ai jamais écrit. Ça se passait où, à 4 ans? À 4 ans, ça se passait dehors d'Athènes, enfin, pas Athènes, en Grèce, dans une ville. Plein de... Disiez aussi, moi finalement, à 4-5 ans, qui servent à la musique contemporaine. Quand on utilise un instrument acoustique avec un son très déterminé pour pouvoir obtenir d'autres sons, il faut changer certaines choses. Donc, quand j'étais enfant, je mettais des Et bon, c'était quand même extraordinaire pour moi. Mais c'était pas bon. Je savais pas qu'il y a des gens qui vont le prendre vous échapper à toute définition technique de comportement. Vous êtes la musique. La musique vous habite.
Et vous dialoguez avec elle? Oui, je... c'est le son tout court, et après, je ne sais pas ce qui se passe. On peut pas mettre des choses, de la musique en parole, c'est très difficile. Mais je ne veux pas être aussi prisonnier dans les formes. Il ne faut pas faire ça, ou il faut faire ça, et quand on fait ça, il ne faut pas faire ça. Moi, je trouve qu'on peut tout faire. Ce qui est important, c'est de peut-être de... l'emballage, mais le contenu. Peu importe si c'est un langage de musique d'une certaine période, d'un siècle. Ou... aujourd'hui, je crois qu'on peut s'exprimer comme on veut. Et ça vient spontanément? Ben, ça, c'est la meilleure. Parce... quand on ne pense pas, on devient comme un fil, comme un tuyau, et tout arrive. On n'est pas conscient. Et je crois que quand ça se passe de cette façon, c'est beaucoup plus honnête. Oh. Beaucoup plus honnête et beaucoup plus universel. Je ne peux pas juger ce que je fais, mais ce que je sais, c'est que 24 heures sur 24, je peux faire de la musique, sans arrêt. La vie de Vangelis, ça se passe comment? La musique, c'est tout. Ce genre d'installation, circulaire par parenthèse, hein, oui. Nous restons dans les globes, le piano, la bulle. Alors il y a la France, les États-Unis, l'Angleterre, les jets entre les différents... Et quand on vous en sort, ça vous embête? Ce qui m'embête, c'est quand on fait la musique, il faut toujours avoir une excuse.
Parce que de faire de la musique, ça ne suffit pas. Il faut toujours avoir quelque chose, caractériser ce qu'on fait. Avoir une raison pourquoi on a fait une musique. On a fait pour un film, ou pour un ballet, ou pour l'opéra, ou je ne sais pas. Mais quand on fait de la musique pour la musique, je ne sais pas, il ne se passe rien. Pour les autres. Pour moi, il se passe beaucoup plus. Vous dites, la musique, c'est crime de lèse-majesté. Bon, je ne sais pas. Il y a plein de choses qu'on dit, et presque toutes les valeurs sont fausses alors. C'est pour ça qu'on est vraiment dans une impasse aujourd'hui. Mais la musique est tellement grande, tellement importante que il faut vraiment la servir, il faut la suivre. Il faut se laisser faire. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, il faut être disponible. Peu importe quel genre de musique on fait, parce qu'on parle des genres de musique, la musique est une. Je vois une musique. Il ne faut pas avoir peur, c'est tout. Il y a des gens qui ont peur de la mélodie, pour pas qu'on dise qu'ils sont sentimentaux, ou il y a d'autres qui ont peur d'autre chose, je ne sais pas. Il ne faut pas avoir peur. En Grèce, on dit que quand on a une belle réussite, il faut faire un sacrifice aux dieux pour que ça continue. Qu'est-ce que vous avez sacrifié aux dieux? La seule chose que je peux te dire, c'est que je passe mon temps, que c'est vraiment la seule... fortune qu'on a. Et je donne mon temps à la musique, c'est tout. Bon, le dieu... qui me protège, qui nous protège. Alors c'est... Les claviers, c'est des choses qu'on achète partout. C'est pas quelque chose d'extraordinaire. Enfin, c'est les choses... Bon, la... C'est des choses qu'on fabrique aujourd'hui. La façon où je mets les choses ensemble, c'est assez personnel. Enfin, c'est, si j'ose dire, c'est garanti sans ordinateur. Mais non, je crois que l'être humain, c'est le meilleur ordinateur pour créer ou pour être disponible, si vous voulez. C'est quand le message arrive, il faut être prêt. Donc, la technique, l'intuition, pas l'analyse, mais l'organisation de quelque chose doit se passer simultanément. On ne peut pas, si on a fait appel à un ordinateur, il faut faire les choses une par une.
C'est-à-dire que là, j'ai rien d'autre que la couleur, que la palette, et je suis prêt à faire la peinture. Alors, aujourd'hui, il ne s'agit pas d'imiter un orchestre symphonique. Peu importe ce qu'on fait, enfin, qu'on joue avec un orchestre symphonique ou avec ça, on tombe toujours sur les mêmes sons. Peu importe si c'est fabriqué par un instrument acoustique ou électronique. C'est jamais exactement pareil, comme vous ne pouvez pas trouver un violon qui sonne comme un autre violon. Mm-hmm. Ce qui est important, après, c'est l'expression. Et ce qui est supérieur, c'est l'expression des instruments acoustiques. Pourquoi ? Parce qu'on peut immédiatement s'exprimer. Comme un violon, par exemple. Toujours, on peut faire le son, on peut faire le vibrato. Et vous prenez 10 violonistes, ils vont jouer le même morceau de 10 façons différentes. Les synthétiseurs, ils ne sont pas malheureusement conçus comme ça. Pas parce qu'il n'y a pas la technique, la technologie. Parce que ils sont conçus pour un marché amateur, parce qu'il faut qu'ils ne sont pas très chers, et parce que vraiment ils sont très négligents, les constructeurs. Mais n'empêche qu'ils font ça pour les enfants, pour les jeunes. Parce que ça plaît à un enfant d'appuyer sur une touche et avoir un son tout près, et voilà, c'est tout, il n'apprend rien. Et il y a une autre chose aussi, c'est qu'avec ces instruments-là, on peut aller un peu plus loin que l'orchestre symphonique. Parce qu'il y a d'autres sonorités qu'on ne peut pas atteindre avec les instruments acoustiques. J'espère qu'il y aura des gens qui vont construire un synthétiseur qui va être vraiment un instrument très très sérieux. Vous savez, il y a des instruments acoustiques qui ont pris vraiment des siècles pour vraiment perfectionner. Comme le piano a pris des siècles pour devenir un piano. Mais il n'y a pas un synthé qui est conçu de la même façon, parce que chaque année ou chaque 6 mois, il y a un autre qui sort. Beaucoup plus compliqué, beaucoup plus stupide. On peut faire tout. Ça, c'est bon, simple, piano. C'est que des exemples.
dire. En fait, c'est des sons ensemble. Ça, pour vous donner certaines couleurs, je sais pas qu'est-ce que je joue, mais enfin, pas grave. Et moi, ce qui me fascine, c'est que je me rappelle, je vous connaissais pas finalement. Ouais. La première fois que je suis allée voir Blade Runner, oui. Blade Runner, avec l'accent, j'ai été au moins autant fascinée par les trucages de l'image, oui. Que par cette musique insensée qui crée un climat. Qui était vraiment celui d'une terre de l'an 2002, 2003, oui. 2005. Quand je joue, je pense à rien. Je ne vois pas d'image. Rien. Et là, quand même, il y avait les images. Oui, là, oui, avant. Mais ça, c'est la différence. Quand on fait un film, on voit des images. Mais c'est quelque chose de très, très risqué, un film. C'est-à-dire que bon, cette année, je l'ai fait pas mal. Et on prend un grand risque, parce qu'on ne sait jamais à la fin qu'est-ce qui va se passer, du fait qu'on n'a aucun contrôle, finalement. Et la musique, c'est quelque chose de tellement dangereux, parce qu'il y a tellement de pouvoir sur l'image. Et c'est un miracle qui fait qu'on peut être d'accord avec le metteur en scène. Thank you.
Même le mixage d'une musique est très important. La dynamique n'est pas bonne, ou elle n'est pas la dynamique juste. Ça change énormément. C'est-à-dire, je ne sais pas à la fin si le chef d'orchestre c'est le metteur en scène ou c'est lui qui mixe le film. Vous comprenez ? Il y a plein de films que la musique était coupée ou était mise ailleurs. Donc c'est quand même, c'est pas quelque chose de très très facile. Vous me dites pourquoi je le fais ? Je le fais parce que bon. Il y a des gens qui me demandent, ou des amis, parce que j'aime certains metteurs en scène. Moi, personnellement, je peux voir un film sans musique. C'est pas que je défends la musique sur un film, pas du tout. From the beginning, Columbus proved himself completely incapable of managing the affairs of these islands. And he appointed his brothers to very important positions. Ferme les yeux et ne triche pas. Je surveille. Prenez quand je te le dirai. Maintenant. Perdu. Nos savants croient que l'océan est infranchissable, Seigneur Colomb. Que disait-on de la ville de Grenade jusqu'à aujourd'hui ? Combien de temps encore devrais-je patienter ? Si Dieu veut que vous partiez, vous... Où diable, Dieu ? Christophe ! Vous n'êtes qu'un rêveur. Je voudrais demander à Roman, puisque la musique a une grande importance dans ces films, et je voudrais lui demander si on peut imaginer un film sans musique. Oui, mais il me disait que c'est pour ça, parce qu'il me disait tout à l'heure, moi, mon rêve, c'est un film sans musique. Souvent, quand on voit un film et la musique s'arrête, Vangelis dit oh. Oh. Je me rappelle quand je t'ai montré le film pour la première fois, on est allé chez moi après manger quelque chose, boire un verre, tu te souviens? Et en sortant, je l'ai mis au piano, il a commencé à jouer un peu comme ça en manteau, et tu as joué un thème. Et je voulais après qu'il le mette dans le film, je pensais à ce thème en montant le film. Mais il trouvait que le thème était triste. Tu te souviens ? You wanna dance? This is some kind of game. Yeah.
You're itching to know some more about her, aren't you? I'm sharing a revelation with you, damn it. Expand your sexual horizons. Oh, I see. And what makes you think they need expanding? He's a verbal exhibitionist. Right. It's his wife I feel sorry for. You can have her, Nigel. On one condition. You hear me out. Have you ever felt real, overpowering passion? Have you ever truly idolized a woman? Nothing can be obscene in such a love. Everything that occurs between you becomes a sacrament. You mustn't believe all he says. He's a sick man. Do you want her? Yes or no? Vangelis disait que souvent la musique composée pour un film est coupée au mixage en plein milieu d'une phrase ou qu'elle est 10 fois trop forte. Et qu'à ce moment-là, le compositeur n'a plus de moyens de pression sur le. C'est embêtant ça pour un. Pour oh, un ça film. Dépend. Pourquoi on prend quelqu'un de compétent ou de talentueux si on doit ensuite faire avec ça ce qu'il ne voudrait pas faire, lui? Qu'on coupe, oui, parfois on coupe, mais si je coupe, je le fais ou avec lui, dans ce cas-là, ou je fais avec un monteur de musique, une fonction qui n'existe pas en France. Mais dans d'autres pays, enfin dans d'autres pays, dans des pays que je connais, en Angleterre, aux États-Unis, il y a toujours quelqu'un qui monte la musique. Ce n'est pas le monteur, c'est quelqu'un qui est surtout musicien, ou musicologue, qui a ensuite appris à monter et qui donc fait que ça. Et il sait ajuster la musique parfois mieux qu'un compositeur. Mais avec Vangelis, c'est pas nécessaire parce qu'il fait lui tout seul avec ses techniciens. Si j'ai besoin d'une musique un peu plus courte, il peut la réduire un peu, il peut la rallonger. Il peut ajouter des éléments dedans, donc cette fonction n'est pas nécessaire. Et parfois, on utilise la musique. Toi, tu m'as raconté que dans les cas de Chariot de Feu, ils ont utilisé une de tes musiques pour le film. C'est vrai. Et après, ils se sont tellement habitués qu'ils voulaient la garder jusqu'au moment. Ça, c'est notre danger. Parce que quand on utilise une musique pour monter le film ou pour tourner une scène, on est tellement habitué, on ne veut pas changer. Et dans le cas de Chariot de Feu, c'était exactement pareil. Et je ne pouvais pas changer parce que j'ai senti une autre musique. Et le metteur en scène me disait, mais non, c'est très bon. Et c'était vraiment très, très juste. Et jusqu'à la dernière, j'ai changé. Bon. Et il a eu l'Oscar pour la nouvelle. Parfois dans des voyages lointains, en Chine, au Japon, à l'Orient et puis à la Nouvelle-Orléans. Quelque chose d'amusant. D'amusant, mais je sais pas. Musique contemporaine. Très sérieux. Oui, non, mais on va pas rire des tout. Il faut, oui. Je Il faut constiper mon esprit. Ça va être très dur. Ah, bon.
attendez. Ah non, c'est trop beau, ça. Mais contemporain, c'est la torture pour moi. Il y a toujours le dit, je ne sais pas pourquoi. Il y a quelque chose qui se casse. Tu veux ça? Partition difficile. Ouais. Tout à l'heure, on a eu un jazz génial avec du sax. Vous avez enregistré? Oui. C'est vrai? Ah oui, on a enregistré? Mais oui, on l'a pris, c'est le sax, non? Je crois pas. En fait, quand on dit Vangelis, on imagine un homme qui prend des jets, qui va des studios parisiens, studios londoniens, studios hollywoodiens, des grandes limousines qui l'attendent au bas des avions. Et en fait, quand on vous regarde vivre, on a l'impression que c'est juste le contraire. C'est-à-dire que c'est pas vous qui courez autour du monde, ça pourrait être le monde qui tourne autour de vous. Et de la musique que vous avez en vous, c'est ça, non? C'est-à-dire que je voyage, mais pas d'une vitesse incroyable. Parce que quand on change de pays très très vite, je crois qu'on perd beaucoup d'énergie. J'aime toujours, même si je vis dans les hôtels ou... De toute façon, quand je suis en train de faire la musique, je voyage... Et ce voyage va plus loin que d'aller à Los Angeles ou à New York. Et en même temps, enfin, ça m'est arrivé, j'ai fait beaucoup d'ajustements dans les hôtels, quelquefois. Enfin, j'ai été dans l'arrangement des instruments un peu peut-être plus petits, plus compacts. Et je peux faire des choses que peut-être d'autres gens, ils veulent, enfin ils ont besoin de grands studios pour le faire, parce que je crois que tout ça c'est une perte d'énergie. Ce qui est important, c'est que quand ça arrive, quand ce message arrive, d'être prêt de le faire. C'est le plus grand voyage qui existe, mais de toute façon vous dites, la musique c'est tout, tout est musique. Thank you.
Akiko Ebi, c'est à la concertiste classique que je m'adresse, parce que vous avez remporté 4 prix au très difficile concours Marguerite Long, et puis vous avez été lauréate du concours Frédéric Chopin à Varsovie, vous avez travaillé avec Aldo Ciccolini, vous avez été couronnée même des mains de Rubinstein, donc une prédilection qui peut bien se comprendre pour Chopin, j'imagine pour le répertoire romantique. Et je me suis demandé, puisque vous êtes amis et que vous faites de la musique aussi avec Vangelis, je me suis demandé comment vous étiez rencontrés et de quelle manière vous étiez entrés dans son univers. C'est un monde musical à lui tout seul, cet homme. Comment ça s'est passé? On était tous invités chez M. Vangelis, qui est très généreux. Et donc, dans la soirée, ça s'est passé tellement amicalement. Il a commencé à jouer improvisé. Le charme de M. Vangelis, la musique était vraiment emballée complètement, et c'est depuis ce temps-là que je le connais. On vient de comprendre de quelle manière vous vous êtes rencontré avec Akiko, est-ce qu'il a séduit, mais vous? Moi, c'est la rareté, parce que je crois que Akiko, c'est une pianiste rare. Bon, il ne suffit pas d'avoir une bonne technique, il suffit d'avoir quelque chose de ce petit quelque chose spécial. Qui s'appelle l'âme, peut-être. L'âme, la sagesse, tous les quelque chose, enfin, quelque chose de magique. Et je crois que là ça est. Et je suis vraiment très heureux quand je l'entends jouer. Et alors pour vous? Parce que vous appartenez à une culture qui musicalement ne joue pas de la même manière que nous. Vous comprenez ce que je veux dire? Je veux dire qu'au son, ça n'est déjà plus la même culture. C'est une autre gamme, une autre séparation entre les tons. C'est pas la même gamme. Alors, comment ça se passe? Pour moi, d'ailleurs pour tout le monde, je pense, la personne qui l'a entendu, son monde musical est tellement grand, tellement harmonieux que les musiciens classiques sont déjà, être mis dedans. Immergés, voilà, exactement. Dans cet univers sonore. Oui, et sa musique est tellement naturelle, et en même temps, ça fait évoquer des choses qu'on a oubliées, qu'on a mis à côté, parce que la société moderne est tellement tumultueuse, et avec beaucoup de stress et tout. Chaque apaisé et puis revivre, comme René. Oui, avec une impression de renaissance. Renaissance. Thank you.
On peut aller des heures comme ça. Enfin. Mais qu'est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. Moi, je mets plein d'images là-dessus. C'est vrai, quand on ne met pas un titre ou une étiquette, on panique. Mais on peut faire qu'avec les sons aussi. Ton clavecin, là? Le clavecin, oui. Avec un clavecin, si on peut faire plein de choses. Le clavecin, ça peut être très beau, très énervant aussi. Ah oui, oui, oui. Oui. Ça peut être très beau aussi. Oui, aussi, oui, très bien. Un style. Mais ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on fait avec. C'est le, oui. Je crois. C'est pour voir comment ça vient. Parce que finalement, le bon truc avec vous, en fait, c'est les sons. C'est partir effectivement d'un son. Alors là, on a un son de clavecin. Si on a un son de guitare, qu'est-ce qu'on va avoir qui va passer plein. Dans les doigts. Même avec le clavecin, on peut faire autre chose. Il n'y a pas que ça. On peut faire. Clavecin aussi. C'est comme des amis, le son. Le son de guitare. Je me sens comme J'ai enfin trouvé là. Là, j'ai trouvé le truc. Je suis comme une boutique. Son de guitare. Voilà, elle est là. La guitare est là. Elle est là, la guitare. Et la guitare, on peut faire plein de choses. On peut faire. Évident. Excusez-moi, guitare, où elle est? C'est la même chose, mais c'est, oui, ça change dépend. D'époque, ça voyage. Oui, dans la guitare. C'est une autre guitare. Ouais. Bon, même son, alors je sais pas. C'est magnifique ça. Ah, vous aimez, oui. Ah oui, non. Je veux dire, c'est magnifique de pouvoir comme ça à travers un son.
On prend bien un petit hautbois maintenant. Bon, non, mais... Voilà. Enfin. Mais là, peut-être, vous me dites ça et moi, tout de suite, je vous joue un hautbois. Mais je voudrais faire quand même. Essayer de préciser la chose. Il ne s'agit pas d'imiter un hautbois. Je crois que. Enfin, je crois. Je suis certain. Parce que c'est comme ça. C'est, dans la nature, il y a la gamme de enfin, le vaste univers de son, du son. Alors, et on a essayé d'extraire oui. Des différents sons. Et on a fabriqué les premiers instruments acoustiques. C'est-à-dire, le bois, ça fait partie de son global. Mm-hmm. La trompette, c'est une autre partie. Le violon, c'est une autre partie. Je parle pas, je parle que des sons. Comment vous envisagez le paradis? Une autre vie, pour vous, c'est quoi? Paradis, harmonie, équilibre. Belle définition. C'est tout. Tout le reste, c'est vraiment des histoires. C'est une belle définition parce qu'en fait, ça prouve qu'on peut l'avoir sur Terre, si on se débrouille bien. Évidemment qu'on peut. On peut commencer, mais pour être sûr. C'est toujours une promesse pour faire travailler, pour avoir de la culpabilité. Voilà, c'est une histoire très compliquée. Mais il est là. Son grec qui jouait avec les sons pour identifier, comme on en voit, comme les grands animaux sous-marins envoient des sonars, pour identifier ce qui s'approche, vous envoyez vos messages sonores pour identifier. Moi, je fais que, comme je vous dis, servir la musique et rien d'autre. Moi, quand je fais de la musique, je suis très responsable, parce que je peux faire du mal comme je peux faire du bien. Alors, il faut toujours se poser la question. Et quand on rentre dans cette situation de la vedette ou de le succès et tout ça, c'est très très dangereux parce qu'on fait un autre métier, c'est-à-dire on se sert la musique et je crois que la façon juste de servir la musique. Donc c'est cette lutte constante qu'il faut garder un équilibre parfait.